Il est de ces artistes qui font du cinéma un mouvement de réflexion autour de l'homme et de ses affres les plus profonds, ceux qui font de lui un être pensant et agissant. La réalisatrice dont nous allons parler aujourd'hui est une de ces auteurs qui a fortement évolué au fil de sa carrière pour faire de son cinéma un terrain politique et humaniste. Catherine Bigelow est une réalisatrice d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 39 ans. Peintre de formation, elle se découvrira rapidement une vocation pour le 7e art et choisira de baser son cinéma dans le monde des punks et de l'underground américain, ancrant ses récits dans un univers sous influence culturelle ou révolutionnaire même parfois. Ce début de carrière lui fera rapidement passer une barrière politique et humaniste qui forgera une filmographie bercée avant tout par un besoin de parler des problèmes de société et d'humanité inhérents au monde actuel. En peu de temps, mais une détermination de fer, cet auteur se sera fait une place forte dans un monde dominé par les hommes en n'ayant jamais peur de se frotter aux genres les plus masculins du 7e art. C'est ce qui aura fait sa réputation ainsi que la puissance de sa filmographie. Longtemps secondé et appuyé par son ex-mari aujourd'hui, James Cameron, cela ne l'empêchera pas de s'émanciper rapidement de lui et de faire de son cinéma une œuvre à part entière qu'elle seule domine aujourd'hui et sur laquelle elle règne en maître. Car clairement, personne ne fait du cinéma comme Catherine Bigelow à Hollywood actuellement. Maîtrisant le genre de l'action comme personne, proposant un regard profondément humain et parfois un peu niais de ses personnages, elle reste pourtant une cinéaste cherchant à explorer de manière viscérale et profonde ce qui fait un être humain et ce qui le rend si complexe dans les situations les plus extrêmes. Cinéaste politique reconnue comme une artiste majeure de son temps, Bigelow est devenue une réalisatrice importante pour le cinéma qui s'est imposée rapidement et fortement. La maîtrise artistique de son œuvre est aujourd'hui l'influence de nombreux auteurs, aussi bien féminins que masculins. Il était difficile de faire de son cinéma une œuvre politique qui conteste le pouvoir en place. En tout cas, c'était l'idée lorsque Bigelow a commencé à faire de son œuvre un cinéma engagé, car depuis, on le sait bien, c'est devenu un besoin de parler avec ses tripes du pouvoir en place actuellement. Il n'est pas anecdotique que pendant le retrait des troupes en Irak, Catherine Bigelow choisissait d'évoquer les soldats accros à la guerre et au terrain, et son choix de parler de la traque de Ben Laden l'était encore plus, surtout lorsqu'on voit l'impact qu'a eu son film avec le temps, et l'œuvre qui en découle aujourd'hui, revenant sur une tragédie de l'histoire américaine. Motard underground, surfeur gangster, rêveur numérique, démineur sous adrénaline ou tracker obsessionnel, ces personnages sont des extrêmes de l'humanité. Ces protagonistes représentent nos affres et nos vices les plus profonds, ceux qui nous rongent et qui nous forgent au fil du temps et des époques. Créer une œuvre en adéquation avec son temps est une chose qui demande du recul, de la précision, de la réflexion et surtout une ambition certaine, claire et juste. Sachant ce qu'elle doit dire et ce qui doit rester une réflexion personnelle et donc qui risquerait d'aller à l'encontre du propos de l'œuvre. Il est indéniable qu'aujourd'hui, Catherine Bigelow a marqué le cinéma d'une pierre angulaire et que l'ambition de son œuvre, qui ne fait que croître de film en film, marquera l'histoire du 7e art et imposera aux yeux du spectateur une filmographie unique, singulière, dense et profonde en termes de réflexion humaniste et politique. Plonger dans le cinéma de Catherine Bigelow, c'est chercher à comprendre ce qui régit le monde et ce qui fait de l'homme une créature difficile à cerner et en constante évolution. Bigelow a toujours cherché à faire de son cinéma un véhicule politique et humaniste. Et plus que jamais, cela semble nécessaire dans le monde où nous vivons actuellement et celui à venir.